qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette exposition? Et peut-être d'abord, elle s'intitule donc Tempestère. Oui. Que signifie Tempestère? Alors, Tempestère, c'est une figure, c'est un personnage fictif qu'on retrouve dans l'histoire de tout temps. La première apparition a été aux alentours de 300 après Jésus-Christ. On le retrouve notamment énormément au Moyen-Âge. Et c'est un personnage fictif donc qu'on désignait comme un responsable des catastrophes naturelles ou des phénomènes célestes, ou comme des tempêtes, des événements climatiques, des tremblements de terre, mais notamment des famines, des pandémies. Donc plein d'événements comme ça qui ont une forte influence sur l'humanité. Alors l'exposition, elle présente plusieurs formes. On retrouve de la sculpture, donc des moulages principalement de mains ou de doigts. On retrouve aussi des dessins et des installations avec ces tissus suspendus. Et des traces de la résidence passée au sein de l'exposition. Donc tous ces éléments-là, ils cohabitent entre eux dans une intention de créer aussi un environnement dans lequel on puisse expérimenter, sentir, voir et toucher, parce qu'il y a aussi ce sens-là qui est très présent dans l'exposition où on est amené au toucher. Peut-être pas qu'il goûte la potion que vous avez réalisée. Non, je ne conseille pas. C'est un mélange qui a permis de teinter les draps. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette potion? Il y a plus de 20 ingrédients différents. Donc pour réaliser cette potion, je me suis référé aussi à la thériaque. Thériaque. La thériaque de Montpellier qui est très reconnue. C'est une sorte de potion magique, on peut dire ça comme ça. Une potion médicinale qui avait pour but pendant le Moyen-Âge de soigner les pestiférés ou qui pouvait aussi protéger des maladies. À la base, la thériaque, on s'en servait pour soigner les piqûres de vipères, mm-hmm. et ensuite ça s'est plus largement répandu à d'autres maladies. Et donc c'est très long à fabriquer la thériaque, il faut beaucoup de temps de macération, beaucoup d'ingrédients qu'aujourd'hui je ne pouvais pas forcément trouver non plus autour mm-hmm. de moi. Donc j'ai utilisé seulement les matériaux, les épices, les plantes qui m'étaient disponibles. Ouais. On retrouve de la coriandre, de la rose, de la lavande, du cumin, de l'anis étoilé, des clous de girofle, du vinaigre, des huiles essentielles, de la cannelle. Enfin, c'est très large. Et donc c'est tous ces éléments-là que j'ai fait bouillir pendant des heures dans une grosse marmite avec les tissus du coup qui sont suspendus ici. D'accord. Et de façon très concrète, qu'est-ce qu'on va découvrir dans l'exposition? Les méfaits de ce tempestère ou autre chose? Non, le tempestère là dans l'exposition, il agit plus comme un contexte, poser un contexte, un récit qui a enclenché toutes ces histoires-là. Je comprends. À travers lequel on puisse lire un peu l'exposition. Mais après, il y a une multitude de matières référentielles qui ont accompagné aussi les différentes créations. Donc ça va d'une étude sur des phénomènes d'hystérie collective, toujours au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a été quand même une grosse période référente pour l'exposition, parce que c'est là aussi où il y a énormément de récits liés à la magie, à des choses qu'on ne pouvait pas expliquer à l'époque et auxquelles on attribuait aussi des puissances surnaturelles. Mm-hmm. Il y a notamment des grandes peintures, comme des peintures de Fuseli, qui est un peintre connu pour ses représentations qu'on considérait un peu sordides, où voilà, il représentait des fantômes, des sorcières, des démons aussi, dans des mises en scène très nocturnes. Mm-hmm. Donc ce peintre-là m'a beaucoup guidé. Il y a eu notamment des récits qu'on retrouve aussi au Moyen-Âge pendant la peste. Donc ce personnage du médecin Beck aussi qui m'a beaucoup orienté
dans la fabrication des objets et aussi dans les compositions des dessins. Il avait comme rôle pendant la peste d'ausculter les pestiférés. Mais il avait un peu deux casquettes qui étaient un peu entremêlées, c'est-à-dire qu'il avait premièrement cette figure du médecin, mais il y avait son côté physique très effrayant, parce qu'il était habillé d'une grande cape en cuir, avec un grand masque, avec un bec, où le bec servait en fait à insérer des plantes médicinales ou des épices, toutes sortes d'odeurs à l'intérieur pour qu'ils se protègent de la maladie, parce que c'était une période où on croyait à cette théorie des miasmes, où les maladies se transmettent par les odeurs. Il avait également un chapeau, qui ressemblait un peu à un chapeau d'ecclésiastique, et il avait surtout un bâton dans la main, qui se servait pour ausculter, pour toucher à distance les malades, mais en même temps ce bâton il avait aussi pour rôle un indice du pouvoir. C'était un médecin qui incarnait une figure d'autorité aussi en même temps. Je comprends un personnage à double facette et ça me fait penser à cette notion de pharmacon, c'est-à-dire voilà, il est à la fois remède et à la fois poison, c'est-à-dire qu'il devait Oui. être un peu effrayant, effrayé, et en même temps on le convoquait pour pouvoir être soigné. Donc on est dans l'ambiguïté du personnage. Ouais. D'accord. Et donc ce personnage de médecin Beck, vous disiez tout à l'heure, il a une influence sur vos dessins. Oui, il a eu une influence sur en fait la fresque qu'on retrouve sur le mur derrière ces draps, où on retrouve un personnage, un corps nu, avec une grande chevelure noire qui a l'air d'exploser un peu dans les airs. Et ce personnage-là tient un bâton également dans la main. Après, ce dessin a été inspiré du médecin Beck, mais pas seulement non plus. On voit aussi à travers ce corps qu'il est dans une position qui rappelle aussi des corps hystériques qu'on peut retrouver dans des transes ou dans des pics, enfin des empoisonnements. Par exemple, je pense à la tarentule, cette araignée au sud de l'Italie qui piquait des corps et qui ces corps d'un coup commençaient à convulser. Et donc voilà, ce corps contient aussi une multitude de récits liés à des corps un peu, on va dire, marginaux. On va entrer dans cet espace pour le découvrir. Sur quel sens ça va jouer? Quelle est l'atmosphère que vous avez voulu recréer ou créer tout simplement? Alors, dès qu'on m'invite à faire une exposition ou à penser une création, je m'attarde premièrement sur l'espace et dans une volonté de transformer l'espace aussi, donc le parcours aussi des visiteurs. Il y a eu cette volonté de le diviser en plusieurs espaces et de créer, oui, une déambulation. Et pour cela, dans cet espace d'exposition, j'ai choisi de suspendre des tissus qu'on peut voir derrière, qui transforme l'espace et qui joue aussi avec avec notre perception, où ces morceaux de tissu cachent des choses, puis si on se déplace, on voit à travers les interstices d'autres choses derrière. Enfin, il y a Une des jeux de découverte. profondeur aussi, de perspective. Du coup, on peut adopter plein de points de vue différents sur ça. Donc il y a avant tout ce sens de la vue, Kinesthésique, enfin, oui. puis la déambulation, Ouais. le regard, la vue, enfin, avec ses cachets, donnés à voir et nouvelles perspectives. Ouais. Et en même temps, il y a aussi le sens olfactif. On a différents sens qui sont mobilisés. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vienne ici pour se rendre compte, Pour voilà. avoir un rapport physique, oui, à l'exposition, oui.
que vous voulez, c'est interroger, enfin, que le spectateur s'interroge. Oui. C'est-à-dire que, et pour qu'il puisse s'interroger, il faut qu'il soit un petit peu bousculé, sans être, si on le sait bien, hein, si on va trop fort, la personne ne peut pas percevoir. J'ai envie de dire, on a un rapport relativement neutre ou un peu, là, ce qui est sûr, et je vous rejoins, quand on rentre dans le lieu d'exposition, on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent et on est effectivement bousculé dans nos représentations. Est-ce qu'il y a, il peut y avoir aussi des échos inconscients, certainement. Enfin, en tout cas, ça interroge. Je rassure, il y a en même temps une douceur. C'est-à-dire qu'on a dans ces draps, les draps c'est le lit, c'est la couche, c'est aussi le lit mortuaire, mais c'est aussi le lit de naissance. Enfin voilà, on est dans l'enveloppement avec le tissu. Vous parliez tout à l'heure de cette paroi qui vient séparer l'espace, mais sans le clore. Mmh. C'est-à-dire que voilà, il y a bien, quand vous parliez d'effacement et puis d'espace rendu visible. Je vois un petit peu la même chose avec ces alors je ne sais pas, je dis objets sculpturaux peut-être, oui. que sont ces mains qu'on peut trouver au sol, oui. Qu'on peut avoir, qui sont, je crois, en plâtre, et puis ces mains en suspendues, qui sont dans un autre matériau, en cire. Donc on voit bien que tout cet attrait à la matière, à l'espace, voilà, c'est fait pour nous interroger de différentes façons. Sur les choses qui nous échappent. Et je pense que la main, elle est assez, c'est quand même le premier outil de préemption. Voilà, et effectivement, c'est ce que vous mettez en valeur, et c'est peut-être pour attraper quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible.